Bonjour à toutes et à tous. I feel a lot of excitement in the air. Good morning, everyone. My name is Joanne Blais. Welcome to Poetry and Voice, les voix de la poésie. Pour la première fois, nous tenons la grande finale à Vancouver et nous en sommes vraiment ravis. Merci pour votre accueil. I would like to begin by acknowledging that we are in Treaty 1 territory and that the land on which we gather is the traditional territory of the Anishinaabe, Ininawak, Anishininawak, Dakota, and Dene peoples, and on the homeland of the Métis Nation. So thank you for coming. Bienvenue aux enseignantes et aux enseignants, aux élèves et aussi aux parents. Vous soutenez vos jeunes dans ce concours et c'est formidable. J'aimerais aussi saluer, welcome all, to the schools all across Canada who are watching our live stream. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct. Alors, ce matin, nous allons écouter de la poésie du Canada et de partout dans le monde, des poèmes classiques, mais aussi très, très contemporains. Ça attire beaucoup les jeunes, en français et en anglais. Notre concours a trois sections de prix, française, anglaise et bilingue. So this morning, we will promote three students in the French stream and in the bilingual stream to the national finals. So tomorrow evening at 7 p.m., we will find out who are the winners. Eh bien, sans plus tarder, j'aimerais que nous accueillions chaleureusement nos six concurrentes de la section française. Elles vont elles-mêmes se présenter à vous. Aksakara, Philemon Wright High School, Gatineau, Québec. Larissa Duchimé, St. Joseph Catholic High School, Windsor, Ontario. Mathilde Eustache, Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Naïda Mouamadou, Lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Perlina Rossi-Brown, Collège Jean Eudes, Montréal, Québec. Bravo! Alors, je tiens à vous féliciter de vous être rendu si loin dans le concours. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez été sélectionné parmi plus de 10 000 élèves. C'est quelque chose qui ont participé au concours cette année. Congratulations. Bravo. So now it's time to meet your judges. Alors, les récitations seront notées par notre jury de poètes. Et je vous les présente. Pierre Neveu, poète. Il se lève, bonjour. Poète, romancier et essayiste, Pierre soutient le concours depuis ses tout débuts et nous lui en sommes très reconnaissants. Il est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont trois prix du gouverneur général. À ses côtés, Lise Gaboury-Diallo, bonjour Louise, Lise, pardon, est professeure à l'Université de Saint-Boniface et l'une des figures importantes de la littérature franco-canadienne de l'Ouest, tant par ses œuvres de création que par ses critiques et analyses littéraires. À ses côtés, Michael Tran, enseigne la littérature à l'Université du Québec à Montréal, et il est l'auteur de deux recueils de poésie et un essai sur le marquis de Sade. Son dernier recueil, La raison des fleurs, a remporté le prix du gouverneur général 2018. Félicitations. Eh bien, maintenant, nos concurrentes vont se retirer en coulisses. Nous allons vous revoir très bientôt. Bonne chance. So before we start, I will remind you to please turn off your cell phones. Veuillez éteindre vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Nous débuterons avec trois tours des demi-finalistes de la section française. Nous prendrons ensuite une courte pause. Bonne chance à toutes nos concurrentes et place à la poésie. Merci.
premier tour de la section française. Mathilde Eustache, cégep de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Les chevals sont des animaux, Michel Garneau. Les chevals sont des animaux doux et calmes quand ils vont contents de se bien chevaucher. Un petit cheval vient pour l'autre galopade de Nantes et trotte en la neige de tous les sens. Comme les dames quand elles lâchaient tout pour chasser le chanteur et le surprendre. Les plaisantes dames qui portent l'amour aux hanches comme me porte le désir au corps. Ventre si blanc, si chaleur cuisse et la tant surprise douceur des seins. Au jardin de mon bestiaire, les chevals se boivent l'un l'autre, en assoiffés, allongés dans la source. Au bestiaire de ma tête jardinière, les chevals s'offrent l'herbe miraculeuse de la légende d'amour. Cheval à mes oreilles sont sonores dans des corps, où la force d'amour a mieux automne et mieux été, en des instants comme des chevaux à côté. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Ici vit Tané Labonné. Ici vit le noir, la peur au ventre, cette peur sans cesse refoulée, sans cesse remise en lumière. L'Amérique en moi, c'est une partie de ma peau. La rumeur la plus sourde me parvient ce soir-là, à deux pas. La rumeur la plus sourde qui me hante parfois. Personne ne veut l'entendre, impossible de fuir une rumeur si parlante. Invisibles sont-ils? Sommes-nous? Nous, meute de transparence sur lequel fusent les balles à boulets rouges. Ce n'est pas une rumeur, j'étais là, me voici. À deux encablures de l'endroit des balles, pas besoin d'être si près du lieu de la vérité pour voir l'empreinte de son éclat sur ma peau. Perlina Rossi-Brown, Collège Jean-Eudes, Montréal, Québec. Il y a les larmes de Louise Dupré. Il y a les larmes, des folles tristesses et des peines minuscules. Celles de la colère, plus pointues que des couteaux plantés dans la poitrine. Les larmes d'impuissance, si on me punit sans me donner la chance d'expliquer mes raisons. Et les sanglots de joie, que versent les personnages dans les livres quand le bonheur est si vif qu'il en avale sa langue. Pourtant, je préfère rire ou crier ou esquisser quelques pas de danse car il me pousse parfois des ailes dans la bouche et je joue le jeu des anges ou des cerfs-volants. Aksa Caleb, Philemon Wright High School, Gatineau, Québec.
parler toute seule de Laurence Ouellet Tremblay. Salut! Salut. C'est ta bête. Je sais. Ça va? Ça va, toi? Ça va. Ça fait longtemps. Je sais pas, j'ai arrêté de compter. Ça fait 744 jours. Peut-être. Tu t'ennuies? Non, pas vraiment. T'es où? Chicoutimi, comme d'habitude. Toi? Istanbul, mais je pars demain. Tu vas où? Je sais pas. C'est beau là-bas? Oui, c'est fou. T'aimerais ça? Je pense pas. Tu fais quoi ces temps-ci? Pas grand-chose. Je vais à l'école. C'est tout? Oui. C'est comment, sans moi? Terrible. Tu m'en veux? Oui. Tu vas me pardonner? Tu vois Andréane? Ben oui, chaque jour. Et puis? Rien. Elle t'aide pas? Non. Désolée. T'en fais pas, je survis. Les parents vont bien? C'est pas, on parle pas beaucoup. Ils se sont aperçus de quelque chose? Absolument pas. Rien du tout? Rien. Tu fais quoi après l'école? Piano. Ça avance? Semi. Qu'est-ce que tu joues? Rien. Je fais des gammes en triolet. Pas de morceaux? Non. Juste des gammes. D'accord. Laure Poitras, cégep du Vieux-Montréal, Montréal, Québec. Nous, Geneviève Desrosiers, nous aurons des douches neuves, remplies d'alluvions et d'odeurs atroces. Nos corps pleureront des gouttelettes de suie brune. Tu verras comme nous serons heureux. Tous les jours, nous encenserons nos 15 ans. Nos fauteuils de velours râpés atteindront la cime des cieux. Nous aurons même la foi. Les devins s'arrêteront à notre porte fermée pour quérir un verre de lait. Nos enfants ne diront jamais rien. Les matins seront chauds, les soirs froids. Nos yeux ne se quitteront que pour aller cueillir des pommes vertes que nous laisserons paresseusement choir dans un grand panier d'osier aux éclats ternes. Tu verras comme nous serons heureux. Nous donnerons des perles aux cochons, des sous aux pauvres, de l'alcool aux alcooliques, des baisers aux amoureux, de la viande aux chiens, des poissons aux oiseaux et du blé aux assassins. Nos amis ne nous quitteront plus. Nous mettrons nos mères et nos pères au champ d'honneur. Les alchimistes gérontologues feront le pied de grue devant des fenêtres que nous aurons, nombreuses et propres.
La musique adoucira nos mœurs terribles et dégradantes. Nous parlerons français avec un accent salvadorien afin de se rappeler notre défunt Chico, mort à la guerre comme une carpe. Nous aurons des oiseaux de proie blottis au creux des armoires, des coqs en pâte et des poules au pot. Nombreux seront nos ennemis. Tu verras comme nous serons heureux. Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Aujourd'hui, j'ai vu, de Nadine El Taïf. Aujourd'hui, j'ai vu comment meurt une ville. Et j'ai été abandonnée. Et je suis partie et de rien. Et je reviens d'un long voyage. Mais par où commencer? Par où? Je commence par la mort, car on ne peut commencer que par la mort de ce récit qui prend la forme de la misère. Je vous conte une histoire concernant des oiseaux. Une histoire, un conte, une odyssée. L'odyssée du phénix, madame, ou comment aime le phénix, avec ses flammes, avec ses feux, lorsqu'il n'y a plus de dialogue possible et que plus rien n'exprime l'amour que le désir lorsqu'il se jette et lorsqu'il flambe. Je vous conte ce qu'ont vu mes yeux. Des murets et de la pourpre et une terre libanaise qui aime, brûle, aime et embrase la mer. À peine suis-je née que je n'existe déjà plus, car la guerre empêche la vie de naître, empêche les fleurs de mûrir, empêche le soleil et rompt le rythme des choses. Comment trouver un rythme autre que celui des lamentations? Qu'Allah vous éloigne du fils d'Adam, s'écrie ma nourrice. De cet homme de la guerre, que Dieu vous épargne ce qu'ont vu mes yeux. Ces yeux-là qui ne se referment plus depuis 1975. Année de mon premier exil. Deuxième tour de la section française, Laure Poitras, cégep du Vieux-Montréal, Montréal-Québec. J'ai passé bien du temps, Sean Cotton. J'ai passé bien du temps au téléphone pour faire taire mes rêves. La planète était toute tendue dans les couloirs des buildings pleins d'ascenseurs qui crachaient leurs directeurs de compagnie dans les deuxièmes sous-sols de junk. J'avais la frayeur du sang et de la barrière du son. Une étoile électrocutait mon doigt, fêlé par un slap shot hier. Le diable était dans le ruisseau et je ne m'y baignais plus. Je rêvais de Californie, des gens sur qui je me trompais pas, de beaux chemins de fer et de voir double. J'ai dit, un vieux monde ou un nouveau monde, c'est juste la même merde, le même mâchoire à viande. Après, avec mon amplificateur sous le bras dans les dunes de sable infectées, j'ai pleuré les morts qui furent rien de plus qu'un râle. Les garçons de la classe qui n'avaient jamais brisé le cœur de personne. Les cœurs sucrés qui s'étaient échafaudés dans le vide de l'agitation. Je t'ai appelé. Pourquoi tu viens pas mourir comme un train à mes côtés? Il me semble que tu goûtais comme la glace sur les voûtes du monde. Il reste rien.
Même que les cassettes porno touchent pas encore à l'absolu. Même que le monde est petit. Fac porte et porte en partant. Même que l'étincelle du bic est cachée dans ton gâteau surprise. Même que l'étincelle égorgeuse se tapit dans les yeux des enfants. Ma pièce de lune est en amour. Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Ave, Catherine Peudy. Très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. En quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire. Oh, mon séjour. Quand je serai pour moi-même perdue et divisée à l'abîme infini, infiniment, quand je serai rompue, quand le présent dont je suis revêtue aura trahi par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vané, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour. Vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, ô centre du mirage. Très haut amour. Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Avant que tout éclate en morceaux, de Diane Léger. Avant que tout éclate en morceaux, j'aimerais écrire dans ta main un tout petit poème, du bout du doigt. Un tout petit poème, plein de chaleur, de lait, de miel et de lumière. Un poème où tu voudras passer l'hiver. Avant que tout éclate en morceaux. Vivre, écrire. Regarder la rhubarbe monter en graines, la poussière recouvrir les meubles, faire le point. Poursuivre. Tout détruire pour tout recommencer. Parce que rendu là où j'en suis, je n'aime plus tellement l'histoire anyway. Revenir échouer sur une plage loin de tout, se demander pour la millième fois. Jusqu'où peut-on aller trop loin ? Aksa Caleb, Philemon Wright High School, Gatineau, Québec. Tu es capable, de Louise Dupré. Tu es capable de tuer, même un être que tu aimes. On décide parfois de tuer ce qu'on aime. Ça s'est infiltré peu à peu dans ton cerveau. Il hurlait, ton chat, il ne cessait pas de hurler et tu n'as plus voulu l'entendre. Tu n'en pouvais plus
comme cette mère qui n'en pouvait plus d'entendre pleurer son enfant. Il a suffi d'appuyer un oreiller sur la petite bouche et puis plus rien. L'enfant qui se tait. Toi, tu as composé un numéro de téléphone. Tu es tombé sur une voix de femme et tu lui as répondu « oui ». Pourtant, il ne te viendrait pas à l'esprit d'écrire « je suis coupable ». Tu coïnciderais alors avec ton remords. Hurlement des nourrissons affamés. Hurlement des femmes pendant l'accouchement. Hurlement des prisonniers qu'on torture. Hurlement silencieux des épouses lapidées. Des fillettes et des garçonnets qu'on viole. Hurlement des violeurs, des meurtriers. Dernier hurlement des assassinés que personne n'entend. Hurlement des déportés, des bombardés, des agneaux qu'on égorge. Hurlement des esclaves au fond des cales, des sorcières sur le bûcher, des guerriers, des mourants au bout de leur souffrance. Hurlement d'appel, de révolte, de désespoir. Hurlement de ton chat. Hurlement auquel tu n'as jamais répondu. Tu entends les hurlements retenus dans les entrailles de la terre chaque fois que tu poses les pieds sur le sol. Tu les entendrais même si tu en venais à tuer tous les vivants. Tu demandes chaque fois qu'on te délivre du mal, mais qui pourrait te tendre la main? Quelle parole te sauverait de la détresse? Tu appartiens à une lignée si longue qu'elle ne se rappelle plus sur quel continent elle est née. Poisson, oiseau, carnassier, mammifère, qui se sont peu à peu redressés pour apprendre à marcher. Peuple de chasseurs, de pilleurs et de criminels. Tu as sur les mains l'odeur millénaire du feu et du sang. Berlina Rossi-Brown, Collège Jean-Eudes, Montréal, Québec. Les rêves morts de Gaétane de Montreuil. Je voudrais, pour aimer, avoir un cœur nouveau qui n'eût jamais connu les heures de détresse, un cœur qui n'eût battu qu'au spectacle du beau et qui fût vierge encore de toute autre tendresse. Mais je porte en moi-même un horrible tombeau où gît un songe mort, loin de la multitude. J'en ai scellé la porte. Et seul un noir corbeau du sépulcre maudit trouble la solitude. Cet oiseau de malheur, c'est l'âpre souvenir, c'est le regret des jours vécus dans la souffrance qui ronge jusqu'aux os mes rêves d'avenir, beaux rêves glorieux. Mort de désespérance. Sans cesse, l'aile sombre au fond de moi s'ébat. Son grand vol tournoyant fait comme la rafale qui siffle en accourant vers la fleur qu'est là-bas et disperse les nids dans sa course fatale. Pourtant, d'un port lointain, si le vent quelquefois m'apporte la chanson d'un ami sur la route, allez-moi de mon cœur, je reconnais sa voix. Car il cesse de battre et tout mon être
écoute. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Accompagnement, Hector de Saint-Denis Carnot. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi, mais je ne puis changer de place sur le trottoir. Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces palais et dire « Voilà, c'est moi !» Je me contente pour le moment de cette compagnie. Mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations. Des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour transposé, je sois portée par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi, avec la perte de mon pas perdu, s'étiolant à ma gauche, sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Troisième tour de la section française. Aksa Caleb, Philemon Wright High School, Gatineau, Québec. Il y a les larmes de Louise Dupré. Il y a les larmes des folles tristesses et des peines minuscules. Celles de la colère plus pointue que des couteaux plantés dans la poitrine. Les larmes d'impuissance. Si on me punit, sans me donner la chance d'expliquer mes raisons, et les sanglots de joie que versent les personnages dans les livres quand le bonheur est si vif qu'il en avale sa langue. Pourtant, je préfère rire ou crier ou esquisser quelques pas de danse, car il me pousse parfois des ailes dans la bouche. Et je joue le jeu des anges ou des cerfs-volants. Naïda Mohamadou, lycée Louis Pasteur, Calgary, Alberta. Je ne sais pourquoi, de Paul Verlaine. Je ne sais pourquoi. Mon esprit est amer d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour le couvera des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Mouette à l'essor mélancolique, elle suit la vague, ma pensée, à tous les vents du ciel balancé, et biaisant quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Ivre de soleil et de liberté, un instinct la guide à travers cette immensité. La brise d'été sur le flot vermeil, doucement, la porte en un tiède demi-sommeil. Parfois, si tristement, elle crie,
qu'à l'alarme au lointain le pilote, puis au gré du vent se livre et flotte et plonge et l'aile toute meurtrie revole. Et puis, si tristement, crie, je ne sais pourquoi. Mon esprit amer d'une aile inquiète et folle vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher d'une aile d'effroi. Mon amour le couvrira des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal-Québec. L'Union libre, André Breton. Ma femme à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. À la langue d'ambre et de verre frottée, ma femme à la langue d'hostie poignardée. À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux. À la langue de pierre incroyable. Ma femme, aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise, de toit de serre et de buée aux vitres. Ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Ma femme aux poignets d'allumettes. Ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé. Ma femme aux aisselles de martre et de faîne, de nuit de la Saint-Jean, de troène et de nid de scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. Ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir. Ma femme aux mollets de moelle de sureau. Ma femme aux pieds d'initiales. Aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfas qui boivent. Ma femme au cou d'orge imperlé, ma femme à la gorge de Val d'Or. De rendez-vous dans le lit même du torrent. Au sein de nuit, ma femme au sein de topinières marines. Ma femme au sein de creusets du rubis. Ma femme au sein de spectres de la rose sous la rosée. Ma femme, au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseaux qui fuient vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. Ma femme au ange d'une nacelle, au ange de lustre et de peine de flèche et de tige de plumes de pan blanc, de balance insensible. Ma femme aux fesses de grès et d'amiante. Ma femme aux fesses de dos de cygne. Ma femme aux fesses de printemps. Au sexe de glaïeul. Ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque. Ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens. Ma femme au sexe de miroir. Ma femme aux yeux pleins de larmes. Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille aimantée. Ma femme aux yeux de savane. Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison. Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache. Aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Perlina Rossi-Brown, Collège Jean-Eudes, Montréal, Québec.
Demain dès l'aube, de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Larissa Duchimé, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. C'est la guerre. Louis-Philippe Hébert. C'est la guerre. C'est très excitant. La terre s'ouvre, on peut voir dedans. On peut voir ce qui se passe derrière les portes closes. L'âme qui loge dans le ventre, la cuisine dans les logements, les latrines qui explosent derrière les baraquements. On aperçoit des choses dans le ciel, des choses rondes et lumineuses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ça laisse des traces longtemps. Ça éclate. On dirait des applaudissements qui jaillissent autour de nous, derrière nous. Ça surprend. On comprend que tout n'est que mouvement. On le sent sur la peau, sur tout le corps, sur les tympans, dans les narines. Aussi une odeur de sang qui nous fait penser à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à cette espèce d'entortillement, de tripes, de foie, d'estomac. De cœur, avec ses veines et ses artères, même de pancréas. C'est la guerre dehors, comme en dedans, c'est la guerre maintenant. Les prières ne sont plus exaucées dorénavant. Attachez-moi les mains, videz-moi le ventre, coupez-moi la tête, si vous voulez qu'on le réveille celui-là. Que celui qui a le plus long sabre, lui, tranche la gorge. Coupe le cou, coupe. Maintenant. Mathilde Stache, Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Québec. Les peines d'amour, Bertrand Laverdure. Les peines d'amour sont des mines à ciel ouvert. Je me réveille à 4h40 du matin pour écrire ça. Je me réveille devant mon assiette, je me réveille en marchant, je me réveille dans l'autobus. Mes phrases fonctionnent encore, même si elles sonnent 1860-quelques. Il y a des moteurs de raison qui s'échappent, même si je ne veux rien savoir. Personne ne peut m'aider. On a déplacé des maisons sur de gros camions lourds, creusé de longues bandes de terrain fertile, exposé à la roche sale 1 km² de peur. Dépendance. Tout le monde voit les plâtres amachés n'importe comment sur les mots qui sortent de ma bouche. Quand je pense à toi,
Je te revois à côté de ce vieux hangar à bateau, délabré, dangereux, dans lequel tu jouais toute petite sur les berges de Pincourt. Cabane à spéculation amoureuse, entrepôt ridicule pour regarder la nouvelle trompe briller. Faire n'importe quoi avec toi, comme regarder la nouvelle trompe briller à côté d'un hangar sale. Faire n'importe quoi avec toi la nuit et appeler les loups pour qu'ils viennent calmer ma viande confuse. Fin du dernier tour de la section française. Wow! Bravo à nos concurrentes de la section française. Quel talent, n'est-ce pas? Moi, j'en ai la chair de poule! Elles ont toutes récité avec tant d'intelligence. C'est incroyable. Et tant d'émotion. Alors, nous allons prendre une pause de 15 minutes. Au retour, nous allons écouter les élèves de la section bilingue et nous connaîtrons qui se rendra à la grande finale demain. Bonne chance à nos juges et à très bientôt. Hello, everyone. Welcome back. We are now going to listen to the poems of our bilingual competitors. C'est de la haute voltige, vous verrez. So I would like them to join me on stage. Avril Brigden, École Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Gada Cherki, Champlain College, Saint-Lambert, Quebec. Troy Chia, Dr. Charles Best Secondary School, Coquitlam, BC. Alexander Marin, Cardinal Carter Catholic Secondary School, Leamington, Ontario. Jenny Wang, Collège Jean-Brébeuf, Montréal, Québec. Keegan Yap, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Congratulations for making it so far into the competition. Photos, yes, they deserve it. So we've already met our French judges earlier this morning. Lise Gaboury-Diallo, Pierre Neveu, Michael Tran. Now our English judges are here and I would like to introduce them to you. So Cecily Nicholson, she's the winner of the 2018 Governor General Literary Award for Poetry. She's also, congratulations. She's also an organizer, very much engaged in community-based art and poetics. Welcome. Jason Stefanik is a Winnipeg poet whose debut collection, Night Became Years, was shortlisted for the 2018 Governor General's Literary Award for Poetry. Thank you. Katharina Vermatt is a Métis writer. She has won multiple awards, including the 2013 Governor General's Literary Award for Poetry, for her book about her Winnipeg neighborhood, North End Love Songs. So I will now ask, thank you for being here this morning. So we'll now ask our bilingual semi-finalists to go backstage and get ready. We'll see you very soon. Alors, chacun de nos concurrents va réciter un poème en français et un poème en anglais. Je pense que nous sommes prêts. Allons-y. Bonne chance à chacun. À très bientôt. Premier tour de la section bilingue. Bilingual prize stream, round one. Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Thank you.
"These poems," she said, "by Robert Bringhurst. These poems. These poems. These poems," she said, "are poems with no love in them. These are the poems of a man who would leave his wife and child because they made noise in his study. These are the poems of a man who would murder his mother to claim the inheritance. These are the poems of a man like Plato," she said, meaning something I did not comprehend, but which nevertheless offended me. "These are the poems of a man who would rather sleep with himself than with women," she said. "These are the poems of a man with eyes like a draw knife, hands like a pickpocket's hands, woven of water and logic and hunger with no strand of love in them. These poems are as heartless as birdsong, as unmeant as elm leaves, which if they love, love only the wide blue sky and the air and the idea of elm leaves. Self-love is an ending," she said, "and not a beginning. Love means love of the thing sung, not of the song or of the singing. These poems," she said, "you are," he said, "beautiful." "That is not love," she said, rightly. Gada Sharkey, Champlain Regional College, Saint-Lambert, Québec. Les poètes boivent des martinis, Carole David, pour saluer Sylvia Plath et Anne Sexton. Sylvia et Anne boivent des martinis dans le bar d'un hôtel à Boston. Leur robe, au motif soyeux, s'enroule autour de leur toit. Elles se demandent s'il faut être hanté par la vaisselle et les draps pour écrire des poèmes dans lesquels les objets volent entre vers et prose, atterrissent sur les murs de la cuisine et se fracassent au cœur des images ou des phrases déclinées durant leurs années d'apprentissage. Les deux femmes, ménagères averties, écrivent sur les boîtes de macaroni les préparations pour gâteaux. Betty Crocker est une muse. Spatule à la main, elle scande la mesure de leur crise étouffée dans le garde-manger. Les portes d'armoire claquent, le lavabo hurle ses déchets accumulés par la famille. Sylvia et Anne boivent des martinis. Leur tête est lourde. Le travail s'accumule depuis leur départ. J'écoute leur conversation féroce. Je suis derrière, subjuguée par leur maîtrise des mots et de l'art ménager. Émue, je m'incline devant leur voix. Je n'ouvrirai pas le gaz de la cuisinière. Keegan Yap, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. If our bodies could rust, we would be falling apart. Billy Ray Belcourt. The law mandates that a hate crime only be classified as such if there is ample evidence to show that one's actions were motivated by prejudice toward an individual's nationality, ethnicity, sexuality, gender, etc. Oh, I got one. Some more than others know that all objects can be put to violent use. If our bodies could rust, we
would be falling apart. Oh, I got one. Barbara Kentner, 34, was hit in the stomach by a trailer hitch thrown at her from a moving car. After throwing the hitch, a blonde 18-year-old man yelled, "Oh, I got one!" Her sister saw and heard everything. No one should have to watch a world explode like that. No one should have to watch someone become embodied like that. The CBC reported that the police did not investigate the assault as a hate crime because there were no comments which made any reference to race or ethnicity. Oh, I got one. It is basic syntax. One is the object, and she is at the mercy of the I. This is a semiotics of indigeneity that routs us into death worlds. In the mouths of the grim reapers of the world, grammar is excited by violence. Oh, I got one. What did he see when he made her into a ghost? What is a ghost but the form we take when we are pulled outside of our bodies? Oh, I got one. There were memories made, and they do not disappear with the disappeared. Kentner was sent home by doctors so that her loved ones could witness her parting. How can a living room become a church without grief leaving its indelible mark? Oh, I got one. How do we live at the edge of the world? Jenny Wang, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Beauté formelle, Chloé Savoie-Bernard. Une réceptionniste. Deux fois, une infirmière. Un membre du personnel soignant et même la médecin. Alors qu'elle avait les mains dans mon sexe, me défaisant de ma grossesse. Chaque fois, elles m'ont dit « Tu es belle, la jolie mademoiselle, ritournelle, ma beauté. » Cœur grec, qu'annoncez-vous. Ma beauté gonne, qui chaîne, retournée contre ma tempe, alors vraiment. Je suis belle. Grand bien m'en fasse. Ça me fait une belle jambe, les chevilles coincées dans les étriers. Un bébé mort en petits morceaux entre les jambes. Tombe-t-il? Qui le rattrape? Je suis belle. Le nez qui coule, les yeux qui braillent. Il meurt. Il meurt. Je suis belle.
Est-ce que cela m'absout? Est-ce que cela me sauve? Cette beauté. Alexander Morin, Cardinal Carter Secondary School, Leamington, Ontario. One Art, Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster, places and names, and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch. And look, my last or next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and vaster, some realms I owned, two rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love. I shan't have lied. It's evident the art of losing's not too hard to master. Though it may look like, write it like disaster. Troy Chia, Dr. Charles Best Secondary School, Coquitlam, British Columbia. Fin de Gérard Godin. Un. Il manquait quelque chose dans le miroir. Peut-être les teintures bleues du salon. Peut-être un père. Peut-être le crucifix. M'enfuir, m'enfuir. Chercher la tête d'un sultan de feuille. Pourri. Chercher une odeur. L'automne, comme on ne l'a jamais vu. Un visage reconnu que l'on croyait oublié. Lire dans les complications du tapis, les écailles d'un mur, un conte, une vie d'homme mort. N'a rien dire de peur d'être injuste. N'a rien même pensé. Lire et relire, mais toujours, hélas, à peine j'ai peur de partir d'ici. Cette peau qui meurt au bout de mes doigts près des ongles, cette peau morte qui tombe, ces plaques jaunes où je vis. Nous vivons. Si peur,
Il faudrait aller tellement loin. Et le temps qui nous manque, et le corps. Deuxième tour de la section bilingue. Bilingual prize stream, round two. Jenny Wang, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Poor speaker, Sonette Labbé. I understand you. I get what you're trying to say. What you're trying to say is you want me to get it. I get it. You want me to understand. You want me to know not the words, but what's behind them. Got it. You're trying to tell me what you want me to hear. What I hear is all words, but that's not all there is. I totally comprehend. There's a comprehensive totality beyond or above or within or outside, whatever you just said. Yes. Yes. Your vocabulary can't put the nuance on the fine feeling you wish to express. Not at you feeling fine. I know. Rather, the feeling is fine like a fine point. Right? That's the point. I get it. If you could say so, you would. You still want me to understand. I told you from the beginning, I'm with you. I got it. Why keep going on? It's gotten. It's all good. Alexander Morin, Cardinal Carter Secondary School, Leamington, Ontario. Je t'écris, Gaston Miron. Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte. Qu'es-tu devenu toi comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans la tête. J'ai froid dans la main. J'ai l'ennui comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seul, de disparaître demain. Sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide, c'est ma vie que j'ai mal et ton absence. Le temps saigne. Quand donc aurai-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras amarrés, que je t'attends dans la saison de nous deux, qu'un jour mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus.
Troy Chia, Dr. Charles Best Secondary School, Coquitlam, British Columbia. River of Milk by Kaveh Akbar. Bear with me. It wasn't long ago I was brainless, lazily pulling fireflies into my teeth, chewing them into pure light. So much of me then was nothing I could have fit into a sugar cube. My body burned like a barn full of feathers. Nothing was on fire. But fire was on everything. The wild mustard, the rotting porch chair, a box of birth records. Eventually, even scorched earth goes green. So beneath it, the dead might still luxuriate in their rage. My ancestor was a dervish saint said to control a thick river of dark milk under his town. His people believed he could have spared them a drought. They ripped him to pieces like eagles tearing apart a snake immediately. They were filled with remorse. Instead of burying him, they buried a bag of goat bones and azalea. My hair still carries that scent. My eyes. Black milk and a snake's flicking tongue. Does this confuse you? There are so many ways to be deceived. A butcher's thumb pressed into the scale. A strange blue dress in a bathtub. The slowly lengthening night. I apologize. I never aimed at eloquence. I told my mother I wouldn't live through the year, then waited for disaster. Sitting cheerfully on cinder blocks pulled from a drain pond, tossing peanuts to squirrels. This is not the story she tells. Hers filled with happy myths, fizzy pistons, and plummy ghosts. It's true, I suppose. You grow to love the creatures you create. Some of them come out with pupils swirling. Others with teeth. Avril Brigden, Alpha Secondary School, Burnaby, British Columbia. Ce ne sont pas mains de géants, Paul Éluard. Ce ne sont pas mains de géants, ce ne sont pas mains de génies qui ont forgé nos chaînes ni le crime. Ce sont des mains habituées à elles-mêmes. Vie d'amour, vie du monde. Le commun des mortels ne les a pas serrées. Elles sont devenues aveugles, étrangères à tout ce qui n'est pas bêtement une proie. Leur plaisir s'assimile au feu nu du désert. Leurs 10 doigts multiplient des zéros dans les comptes qui ne mènent à rien qu'au fin fond des faillites. Et leur habileté
les combles de néant. Ses mains sont à la poupe au lieu d'être à la proue, au crépuscule au lieu d'être à l'aube éclatante. Et divisant l'élan, annule tout espoir. Ce ne sont que des mains condamnées de tout temps par la foule joyeuse qui descend de jour, où chacun pourrait être juste à tout jamais. Et rire de savoir qu'il n'est pas seul sur terre, à vouloir se conduire en vertu de ses frères, pour un bonheur unique, où rire est une loi. Il faut, entre nos mains qui sont les plus nombreuses, broyer la mort idiote, abolir les mystères, construire la raison de naître et vivre heureux. Gada Sharkey, Champlain Regional College, Saint-Lambert, Québec. The River Merchant's Wife, a letter, Ezra Pound, after Lipo. While my hair was still cut straight across my forehead, I played about the front gate pulling flowers. You came by on bamboo stilts playing horse. You walked about my seat playing with blue plums, and we went on living in the village of Chilkan. Two small people, without dislike or suspicion. At 14, I married my lord, you. I never laughed being bashful. Lowering my head, I looked at the wall. Called to 1,000 times, I never looked back. At 15, I stopped scowling. I desired my dust to be mingled with yours forever and forever and forever. Why should I climb the lookout? At 16, you departed. You went into far Kudoeng by the river of swirling eddies, and you have been gone 5 months. The monkeys make a rueful noise overhead. You dragged your feet when you went out. By the gate now, the moss is grown. The different mosses, too deep to clear them away. The leaves fall early this autumn in wind. The paired butterflies are already yellow with August. Over the grass in the West Garden, they hurt me. I grow older. If you are coming down through the narrows of the River Kiang, please let me know beforehand and I will come out to meet you as far as Chofusa. Keegan Yap, St. Joseph's Catholic High School, Windsor, Ontario. Le Crapaud, Tristan Corbière. Un chant dans une nuit sans air. La lune plaque en métal clair. Les découpures du verre sombre. Un chant comme un écho tout vif. Enterré là
sous le massif. Ça se tait. Viens, c'est là, dans l'ombre. Un crapaud! Pourquoi cette peur près de moi, ton soldat fidèle? Voile, poète tendu, sans aile, rossignol de la boue. Horreur! Il chante. Horreur! Horreur! Pourquoi vois-tu pas sonner de lumière? Non. Il s'en va. Froid. Sous sa pierre. Bonsoir. Ce crapaud-là, c'est moi. Well, congratulations to our bilingual competitors. What remarkable talent. I was just standing backstage and I was thinking, I think today we heard the best poetry reciters in Canada. I don't know where else in the country we can hear poetry recited at such a level of excellency. So congratulations to all of our students, really. But it is a competition, so although it breaks my heart, I will have to announce soon who will move forward to the finals tomorrow. And I'm waiting for the results. They will come soon. So now comes the time to have all our students back on stage to find out who is going to be back tomorrow evening. Congratulations again to all of you. And remember, the poems recited today, they'll stay within you for the rest of your life. Et ça, c'est une grande, grande richesse. So when you hear your name, I will ask you to step forward. So, dans la section bilingue, the three students advancing to tomorrow's national finals are Avril Bridgen, AFA Secondary School, Burnaby, British Columbia. Congratulations. Gadat Charki, Champlain Regional College, St. Lambert, Quebec. And Jenny Wong, Collège Jean Brébeuf, Montréal, Quebec. Bravo. Bravo, bravo. Dans la section française, les trois étudiants qui seront invités à se joindre à nous pour la grande finale sont Laure Poitras, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal-Québec, bravo! Larissa Duchimé, St. Joseph Catholic High School, Windsor, Ontario. Et enfin, Naïda Mohamadou, Lycée Louis Pasteur School, Calgary, Alberta. Bravo. So let's have a big round of applause for our 2019 Poetry and Voice semi-finalists in the bilingual and French section. So thank you all for coming. Thank you to the teachers, the parents, the students for all your hard work. We'll be back tomorrow evening for the national finals.
I hope you can join us at 7 p.m. Your host will be Rosanna Dearchild and Joseph Roger Léveillé. If you can't be here, you can be online at poetryinvoice.com. So thank you again, et vive la poésie! À demain!